Bonjour à toutes et bonjour à tous, on continue une franchise, un pic et aujourd'hui nous sommes dans la division AFC Est. On commence tout de suite et on commence avec les Jets de New York. Le pic dont on va parler aujourd'hui c'est celui du tackle offensif Max Mitchell pris au quatrième tour. Pourquoi c'est un choix intéressant ben Déjà parce qu'il fallait apporter un petit peu de profondeur au poste de tackle. Déjà, pour le premier tour, beaucoup de mock draft donner un tackle offensif. Personnellement, j'y croyais pas du tout, je le mettais jamais dans mes mocks. Pourquoi Parce qu'ils ont déjà investi avec beaucoup de jeunesse sur la ligne offensive. Mekai Beckton, Alija Vera Tucker, donc ça fait déjà deux jeunes. Prendre encore un premier tour sur la ligne offensive, ça veut dire que sur les cinq, tu aurais eu trois joueurs très jeunes, c'est pas forcément une bonne idée, c'est mieux de faire venir des vétérans. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, ils avaient pris l'Eken Tomlinson, le guard. Donc voilà, moi je pensais qu'ils allaient partir en défense et puis eh ben, c'est ce qu'ils ont fait, quoi, défense et puis receveur. Mais le choix de Max Mitchell est très intéressant. Pourquoi Parce que ben, lors de Tackle, c'est Mekai Beckton qui revient de blessure et puis c'est George Font. Alors George Font, voilà, il fait partie de ces joueurs. Euh la plupart des gens pensent qu'il est vraiment tout pourri en fait, non, il n'est pas tout pourri, pas du tout. C'est plutôt un bon joueur, surtout en protection. Ah ok, d'accord, je dis pas que c'est un monstre, évidemment c'est pas Trent Williams des 49ers, mais il tient plutôt bien sa place et je pense que pour cette saison, ça le fait largement. Par contre, un petit peu de renfort, c'est-à-dire déjà pour aider, on ne sait jamais, une assurance, il y a des blessures. Euh et puis quelqu'un à développer également pour le futur. Et puis également quelqu'un pour faire ce qu'on appelle le swing tackle. Alors le swing tackle c'est quoi C'est quand on rajoute un sixième lineman offensif pour vraiment en situation de course avoir quelque chose de perturbant pour la défense, quelque chose de puissant qui va permettre la course. Généralement, tu fais ça quand tu es mettant en troisième et un, qu'absolument tu veux gagner ce yard, tu veux continuer à avancer, tu fais rentrer un sixième, là il met un offensif, parfois c'est même plus que ça, tu rajoutes des titans, c'est ce qu'on appelle les jumbo packages, jumbo, parce que ça rappelle les ailes de ces avions géants, les jumbo jets. Donc voilà, c'est un ajout intéressant, surtout au quatrième tour. Pourquoi c'est intéressant aux Jets En plus, Max Mitchell, c'est parce que Max Mitchell, à l'université de Louisiana, il jouait dans un système de zone. Et les Jets, en NFL, jouent dans un système de zone. Donc du coup, voilà, vite fait, en deux mots, si vous n'êtes pas tout à fait au clair, en gros, sur la ligne offensive, même si évidemment c'est toujours mixé, nuancé, etc., mais allez, on va caricaturer. On va dire, il y a deux schémas. Le premier, c'est un système power scheme Voilà, power, c'est-à-dire, c'est vraiment sur la ligne offensive des joueurs très puissants et des joueurs qui seront donc en 1 contre 1. Le tackle avec un defensive end, le guard avec un défensif tackle, et ainsi de suite, c'est vraiment du 1 contre 1 et on y va. Autre système qu'utilisent ben, les Jets, qu'utilisent par exemple aussi les 49ers, qu'utilisent aussi d'autres équipes, qu'utilisent aussi toutes les équipes, mais par séquence, c'est le système de zone. Système de zone, c'est-à-dire qu'en fait, chaque joueur de ligne offensive n'est pas chargé de prendre un gars mais vraiment une zone. Et généralement, lorsque c'est une situation de course, c'est ce que vous pouvez voir très facilement en regardant les matchs NFL, c'est lorsque les 5 joueurs de la ligne offensive bougent tous ensemble d'un même côté. Ben voilà, c'est le système de zone, ils vont tous partir d'un côté. La plupart du temps le running back part plutôt de l'autre, mais en bougeant tous ensemble du même côté, ça permet de rassembler les forces et puis de faire bouger un petit peu le premier rideau défensif. Et Max Mitchell donc est habitué à ce système-là à l'université et il arrive dans une équipe NFL qui joue dans ce système-là. Donc c'est parfait. Max Mitchell, c'était un tackle qui est très peu pénalisé. Donc très discipliné. C'est vraiment un bon joueur de football. Pourquoi il a été pris au quatrième tour En fait, c'est parce qu'il est un petit peu léger quand même pour le poste. à NFL. Déjà pour être titulaire à NFL, ça va être difficile. Il va falloir qu'il prenne de la masse. Bon, ils ont la recette à NFL, il n'y a pas de problème. Ça devrait aller. Dans ce système de zone, l'université de Louisiana a été très performante pour le jeu au sol et s'est notamment passé souvent du côté droit, là où était Max Mitchell. Les Jets, vous l'avez vu, ils ont pris Brissiol, le coureur l'année dernière, ils avaient pris Michael Carter. Évidemment, quand un jeune quarterback comme Zach Wilson, c'est très très bien qu'il soit secondé par un gros jeu de course. Donc, à mon avis, c'est ce qu'il va le faire. Donc, du coup, ajouter un tackle comme ça, habitué au système de zone, très performant en run blocking, ben, ça pourra le faire. Je sais, depuis tout à l'heure, je parle de Max Mitchell comme d'un remplaçant. Donc, a priori, il ne va pas faire une grande différence. Mais voilà, c'est l'esprit, c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Pour qu'il puisse rentrer, pour qu'il puisse, si à blessure, être performant, et puis pour le développer pour l'avenir. En tout cas, il correspond bien au profil de l'attaque des Jets. Et du coup, moi, je trouve qu'au quatrième tour, Max Mitchell, c'est un très bon choix. Surtout qu'il a de la polyvalence. Alors, il a surtout joué tackle droit, mais il a également joué tackle gauche. Il a également joué en tant que guard. Il sait faire un petit peu de tout. À mon avis, son futur, c'est plus en tant que tackle. Mais de toute façon, c'est très bien d'avoir quelqu'un de polyvalent. Max Mitchell aux Jets. Évidemment, ce n'est pas leur meilleur choix. On va parler de Sauce Garner. On va parler même. Germain Johnson, Brice tout ce qu'ils ont fait, c'est très très bien. Mais voilà, moi je voulais parler de Max Mitchell aujourd'hui aux Jets. On passe désormais aux New England Patriots, les Patriots qui ont surpris tout le monde lors de cette draft. Je veux dire, aïe aïe aïe, Cole Strange au premier tour, c'est un rich. Moi je pensais que Cole Strange y partirait entre 40-45. Voilà, parce que c'est un très bon joueur, un guard très athlétique. Au final, il est parti quoi 29 Ok. Je comprends la différence entre premier tour et second tour. Mais au final, quand on regarde une draft, en général, entre 29 et 40, ça fait quoi Ça fait 11 choix. Bon, pour moi, c'est pas un gros reach. Mais du coup, c'est pas de lui qu'on va parler aujourd'hui. On va parler quand même de Taekwond Thornton. Évidemment, celui qui vraiment on se dit, mais c'est incroyable, pourquoi Pourquoi Pourquoi, pourquoi pourquoi Parce que bon, il y avait quand même des receveurs euh, disponibles, on s'attendait plus, euh, mettons, à un Skymour, et sans parler d'autres joueurs à d'autres positions. Taekwondo, Sorton, personne ne s'y attendait. Alors évidemment, c'est sa vitesse, évidemment, sa vitesse, voilà, c'est quelqu'un qui court très vite, très vite. C'est pas juste le sprint du 40 yards lors du combine, c'est aussi ce qu'on a vu sur le terrain avec Baylor, c'est quelqu'un qui court très vite. C'est intéressant. Déjà, c'est intéressant parce qu'on le voit en NFL, la vitesse, ça peut faire la différence. Hop un pas, hop il est parti et pour le rattraper, c'est difficile, surtout que ce jour-là a des bonnes mains parce que oui, il court très vite, d'accord, mais c'est pas que ça non plus. Avec Baylor, champion de Big 12 en 2021, il a inscrit 10 touchdowns. Voilà, 10 touchdowns, c'est pas juste un sprinter. Oui, c'était un sprinter au lycée, un excellent sprinter d'ailleurs. Il a conservé cette vitesse à l'université, il s'en est servi sur le terrain, mais il s'en est servi sur le terrain. Il a de bonnes mains, 10 touchdowns, il court de bons tracés. Il faut savoir qu'à Baylor, il y a eu des changements tout le long de son cursus de 4 ans. Il a appris énormément d'attaques différentes. Il est bon en tracé, les concepts offensifs, il en connaît déjà beaucoup et il va très vite. Donc je ne suis pas en train de dire oui c'est un bon choix, il fallait le prendre lui. Oui, moi le premier, j'étais très surpris. Et puis même là aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas pris plutôt ce joueur ou ce joueur On essaie juste de comprendre pourquoi ils ont pris Tycan Thornton. Voilà. Les Patriots, vous le savez, c'est une équipe qui court beaucoup. D'ailleurs, ils ont encore repris des, des running backs, d'ailleurs des costauds. Alors qu'ils ont déjà Damian Harris, ils ont déjà Ramon Stevenson, ils ajoutent encore Kevin Harris, un, un coureur costaud. Mais ensuite, ils ont ajouté aussi pas mal de vitesse et de qualité athlétique. C'est le cas du guard Cole Strange, c'est le, de... le cas avec Taikan Thornton, c'est le cas également du running back très rapide, la fusée Pierre Strong. Voilà, ils ont voulu ajouter une dimension de vitesse et de qualité athlétique à leur équipe, et c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de Takan Thornton. Je dis pas que c'était un bon choix je dis même pas que c'était un mauvais choix, on va voir mais en tout cas dans leur système, moi je trouve que ça correspond plutôt bien, une équipe qui court beaucoup et puis tout d'un coup, Mac Jones il va pouvoir lâcher son bras pour attaquer la profondeur et ça c'est intéressant, pour une équipe qui court beaucoup, parce que ça oblige tout de même la défense adverse à être attentive à ce qui se passe dans la profondeur, parce que tu as un joueur qui est hyper rapide, et c'est pas juste, voilà, comme je le dis, un gars qui court vite en ligne droite, il a montré sa qualité avec Baylor, ne serait-ce que les 10 touchdowns sur la dernière saison, voilà, il sait courir le bon tracé, il va très vite et il a plutôt des bonnes mains donc du coup il faut être attentif à ça donc du coup ça libère un peu de la place dans la boîte et donc du coup ben, tu peux courir voilà à mon avis la stratégie derrière ce choix après oui bien sûr je comprends euh, ouais tu te dis mais quoi On parle désormais des Bills de Buffalo et là on va faire une petite entorse, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'un choix, on va parler de deux mais on les couple en même temps. C'est parce que oui, les Bills ont fait des choix très intéressants, le corner Kairi -E Lam, le running back avec de très bonnes capacités en réception, James Cook, etc. Ils ont fait des bons choix, Terrell Bernard, le linebacker, mais en fait on va parler un peu de l'équipe spéciale parce qu'on n'en parle jamais de l'équipe spéciale. Et en fait les Bills, eh ben, ils ont fait deux choix pour l'équipe spéciale. Ils ont pris le punter Matareza, faut bien savoir qu'en 2021, les Bills étaient tout pourris en punter tout pourris, voilà. Donc du coup, bah, qu'est-ce que tu fais Bah Tu prends un punter, et pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a C'est déjà une très bonne équipe, c'est pas comme s'ils avaient des trous de partout, où tu te dis, bah non, du coup tu prends pas un punter, t'en signeras un six fois après la draft, mais là, bah écoutez, ils ont pris un très bon punter, et ça ne peut qu'améliorer cette escouade-là, c'est quand même très bien, non De repousser les attaques adverses le plus loin possible mais pour les repousser, il faut un bon punter, mais il faut aussi que voilà tes joueurs en couverture ils puissent stopper le retour de punt. Et donc du coup, ils ont fait quoi Ils ont pris Bell Spector. Bell Spector, ok, c'était un linebacker avec Clemson, un linebacker avec beaucoup de vitesse, notamment très bon en blitz. Mais s'ils ont drafté en toute fin de draft au 7ème tour Bell Spector, c'est pas tellement pour le mettre au poste de linebacker. Je veux dire, ils ont déjà Tremaine Edmonds, ils ont déjà Matt Milano, ils ont drafté Terrell Bernard qui lui va jouer en défense. Eh non, Bellon Spector, oui, peut-être qu'il a bien sûr il aura forcément quelques snaps en défense, ils en auront besoin, ils font une rotation, c'est long une saison. Mais Bellon Spector, ça va être un super joueur en équipe spéciale. Pourquoi Parce qu'il a le gabarit idéal et puis en plus il a cette vitesse-là. Donc du coup c'est un choix très intéressant. Et c'est pour ça que je voulais en parler aussi, parce que on parle jamais de l'équipe spéciale, et pourtant il y a vraiment trois niveaux. Dans ce sport, ok, l'attaque et la défense, c'est quand même les deux niveaux les plus importants. Mais l'équipe spéciale, je ne dis pas que ça fait de la différence, pas autant en tout cas que l'attaque ou que la défense. Mais ça fait quand même aussi quelque chose dans un match, ça compte. Sinon, ben, on ne jouerait même pas. On mettrait 11 peintres et puis on dirait, ben voilà, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. L'équipe spéciale. Donc tu prends un bon punter, tu prends un très bon joueur. Pour l'aligner là-dedans, alors je ne sais pas s'il si sera gunner, pas gunner, etc. Mais de toute façon, il ne t'en faut pas qu'un de joueur qui va vite pour les plaquer. Il en faut quand même plusieurs. Et ben là, tu en rajoutes un. En plus, ça ne te fera pas de mal à ton escouade de linebacker, un petit peu de rotation, machin. Mais en plus, voilà, pour l'équipe spéciale, à mon avis, Bell Inspector, c'est vraiment le joueur qu'il faut. Il a la taille, il a la vitesse, il a la mentalité, il a tout ce qu'il faut. Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon choix. Et du coup, ben voilà, je voulais en parler. Allez, on termine cet épisode avec les Miami Dolphins, les Miami Dolphins avec très peu de choix, des choix surprenants aussi, Skylar Thompson, le quarterback, pourquoi faire, je sais pas. Bref, on va forcément parler du choix intéressant. Il y en a un, c'est Shannon Tindall, le linebacker de Georgia. J'en ai déjà parlé cette saison sur le pressé, parce que voilà, c'est un linebacker que moi j'apprécie beaucoup. Pourquoi je l'apprécie beaucoup Parce qu'il a beaucoup de vitesse. Et ça c'est très intéressant, parce que cette vitesse-là, notamment sur deux aspects de la défense, c'est très important. Et c'est ce qu'on a vu à Giorgia sur le terrain. Je veux dire, je ne parle pas de vitesse courir un sprint en ligne droite. Premier aspect, très intéressant. On l'a vu souvent comme ça avec Giorgia. C'est-à-dire, le gars, il est vraiment en stunt. Il est vraiment comme ça à l'affût. On peut même dire en spy à la limite. Et c'est quelqu'un qui, de par sa vitesse et son intelligence de jeu, arrive très bien à voir où le gap disponible se trouve. Et du coup, il arrive à se faufiler, à passer et à la faire un placage pour perte. Pour un coureur ou alors même un sac, du quarterback. C'est vraiment quelqu'un qui arrive à être très disruptif c'est un coureur qui en plus avec sa vitesse il a plutôt un bon gabarit, de bons moves il arrive également à se défaire d'un bloqueur qui vient décrocher sur le second rideau c'est bon, il est vite, il arrive à passer et à aller aplatir le running back donc ça c'est très précieux, c'est ce qu'on appelle aussi la poursuite Shanik Tindal c'est vraiment Lorsqu'on parle d'un linebacker, vous savez, le sideline to sideline, d'un côté à l'autre, la vitesse, etc. Eh bien, ça, c'est Shannon Tyndall. Et c'est un choix très intéressant, en plus, aux Dolphins, parce que vraiment, c'était leur besoin essentiel de cette draft, et ils l'ont adressé avec leur premier choix. En plus, c'est en 102, ça te coûte pas très cher, c'est au choix, 102. Écoutez, moi je trouve que c'est un très bon linebacker. Ok, il n'a jamais été titulaire, même pas cette année, c'était Cole Walker et Nako mais il a quand même beaucoup joué, beaucoup contribué, parce que c'est un bon joueur, Shannon Tyndall. Il a ce mix de vitesse, d'intelligence de jeu, quelqu'un qui vraiment va pouvoir s'imposer. Je pense pas que ça deviendra un pro-boleur au poste de linebacker, mais par contre, vous le verrez, vous le verrez le dimanche. Vous entendrez son nom le dimanche parce qu'il fera des jeux. Shannon Tyndall avec sa vitesse depuis le second rideau, c'est vraiment un choix très très intéressant. Les Dolphins, ils vont avoir Riley, ils vont avoir Roberts pour vraiment avoir ce rôle de de Cogneurs sur le second rideau, mais leur font un joueur rapide. Alors il y a déjà Becker, mais du coup, si tu mets Becker et Tyndall, du coup, ne serait-ce que sur troisième tentative, tu peux faire des choses très intéressantes avec deux joueurs très rapides qui peuvent soit aller agresser la poche, soit être en poursuite d'un coureur. Ils peuvent faire beaucoup de choses avec beaucoup de vitesse. C'est intéressant la vitesse. Je suis désolé, c'est intéressant dans ce jeu, dans ce sport. C'est vraiment très intéressant. Surtout que voilà, on parle pas juste d'un gars qui sprint très bien en short. C'est quelqu'un qui sur le terrain a montré qu'avec sa vitesse, il pouvait avoir de l'impact sur le Jeu. du coup, Shining tindal, oui, c’est très, très bien.